Salut tout le monde, je m'appelle Steelers et aujourd'hui, on va jouer à deux jeux sur iOS. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur mon téléphone, mais ça faisait 5 semaines que j'étais parti à un autre endroit où, malheureusement, la façon que le réseau était fait avec le Wi-Fi, c'était impossible pour moi de pouvoir vous faire des vidéos sur mobile, parce qu'en fait, tout est fait de façon Wi-Fi. Voilà. Et là-bas, le Wi-Fi était très éloigné. Bref, plusieurs soucis techniques. Mais, vu qu'on est de retour à la maison, eh bien, je peux recommencer à vous faire des vidéos. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous offrir deux jeux. Donc, on va avoir Monsieur Jump, qui fait un certain buzz présentement sur le web. On va essayer ça ensemble. Et j'avais aussi Hopeless, qui est un jeu qui m'a été proposé par un abonné. Ça fait déjà un petit moment. Malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver ta trace ni l'information où j'avais reçu le message parce que j'en reçois beaucoup, hein? Mais quand même, j'ai retenu ton idée et on va l'essayer ensemble. Alors, on se retrouve déjà dans le menu parce que j'avais essayé si tout fonctionnait bien. Mais on va voir ensemble ce que ce petit jeu nous réserve. Alors, c'est très simple. On a un petit personnage qui est plongé dans le noir total. Et il y a des monstres qui arrivent à gauche, à droite, d'un peu partout. Et on doit les tuer. Sans évidemment tirer nos amis. Et plus que ça avance, eh bien, plus que c'est difficile. Alors, c'est parti. Ça se peut qu'il y ait des bugs de son. C'est tout à fait normal. Je n'ai plus rien, malheureusement. Oh! Ben voilà. Je voulais vous parler, j'ai complètement oublié de regarder ce que je faisais. Ok, c'est parti. Une ambiance terrifiante. Boom! Allez, next! Boom! Quand on commence à être habitué et qu'on joue vraiment beaucoup, on est tellement habitué qu'il y a des monstres qui arrivent de partout, que quand on commence une nouvelle partie, honnêtement, on trouve vraiment le jeu trop lent. C'est fou. C'est comme quand on joue à Guitar Hero, pour ceux qui ont joué. On joue, à un moment donné, on arrive à expert, parce qu'on finit par devenir de mieux en mieux, on est meilleur. Et quand on retourne à Medium ou Easy, bordel de merde, on a l'impression qu'on va s'endormir, que ça va... C'est du gros n'importe quoi. Et pourtant, on a tous commencé à ce putain de jeu à Easy, on trouvait ça trop difficile. C'est avec le temps qu'on devient bon. Allez, amène ça, les monstres, putain de merde. What the fuck? C'était quoi ça? Ah, là, on a carrément une perte de son. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait quelques petites difficultés avec le son. Mais que voulez-vous? Je n'ai plus rien. Allez, allez, crevez, crevez, crevez! Oui! Et par contre, je me retrouve tout seul. Oh, 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 damn, 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 damn. Et voilà, et voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh. Oh. Pour éviter d'avoir des problèmes de son. Oh merde! Ceux qui ont des trucs sur la tête, ça prend deux coups. Oh, 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 oh. Oui, oui, amène-moi des amis, amène-moi des amis. Oh, 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 oh. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh, je vous l'avais dit que ça faisait de plus en plus difficile. Wouh! Ok, deux amis, deux amis. Amène-moi-en plus. Oh! Amène-moi plus d'amis, amène-moi plus d'amis. Yes! Ouais, pour éviter que j'aille des bugs de son, il faudrait que j'ajoute le câble qui me permet de faire... de transférer, en fait, l'image de mon téléphone directement à mon ordinateur avec un fil. Ça réglerait le problème. Là, c'est vraiment à cause du sans-fil que ça fait ça. Ah, là, ça s'est calmé, par contre. C'est déjà beaucoup mieux. Ah! Ouais, ça s'accélère. Ça s'accélère, c'est des doubles en fait. Les monstres sont tellement gros que j'ai pas le temps de voir que ça prend un double coup pour les tuer. Je vois pas leur tête assez vite. Surtout quand ils arrivent vers le haut. Yeah! Oh putain! Oh putain! Oh la vache! Oh voilà, quand ça commence putain! C'est n'importe quoi! Wouhou! Ok, on arrive. Oh putain! Oh non! Oh non! Ok, je le sens pas celle-là. Je suis de retour toute seule. Yes! Wow! Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien! On est plusieurs, j'ai toutes les chances de mon côté. Amenez-en les monstres! Amenez-en! Y'a aucun problème, je me les tape tous un après l'autre! Yes! Wouhou! Oh yeah!
Yeah, baby, crevez tous dans la joie et le bonheur, putain de merde. Oh là là. Oh, 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 putain, oh, putain, oh, putain, oh, putain. Woo! Yeah, baby! C'est une putain de bête! Hell yeah! Je dois commencer à devenir vraiment riche. En plus, ce qui est très génial, c'est que à force de tuer... Ah, voilà! Putain de merde! Level 5, j'ai gagné toutes sortes de prix. J'ai 9875 pièces d'or. Et maintenant, on va aller voir dans le store. On peut s'acheter des armes. Donc, j'ai des slip shots. On a le Monster Full of Lead. Ça, c'est le fameux 12 pompeux. Il y a vraiment plein de trucs. J'en ai même pas assez pour m'acheter un 12 pompeux. Je peux seulement m'acheter un split shot. Fuck that, le split shot. Évidemment, on peut clairement acheter des des pièces d'or avec de la vraie argent. Hein? Mais bon, c'est cool. Il y a toutes sortes de trucs. C'est génial. Donc, vous allez pouvoir jouer à la maison et découvrir toutes ces petites choses qui vous sont offertes. Donc, on va maintenant passer au jeu numéro 2. Alors nous voici dans le jeu numéro 2, Monsieur Jump. Ce petit jeu qui fait un buzz, comme j'ai dit, sur le web, qui a été joué par plusieurs grands YouTubers. Ce qui fait chier, par contre, c'est que je l'avais découvert avant même que les YouTubers commencent à faire un jeu, parce que je vais souvent sur le App Store aller voir ce qu'il y a de nouveau. Et j'étais pas en possibilité de pouvoir vous faire une vidéo. Mais je me reprends aujourd'hui. Alors c'est très simple, c'est de faire sauter notre petit personnage. On a un seul bouton, on appuie sur l'écran, c'est super simple. Regardez, ça avance seul. Donc, vous pouvez voir que c'est une très grosse référence au jeu Géométrie Dash, sauf que là, on contrôle un personnage au lieu d'un petit bloc rempli de couleurs et de musique complètement folle. Alors, pour ceux qui ont tellement joué à Géométrie Dash, c'est sûr que ça fait un... comment je pourrais dire ça? Ça fait un... Ça fait du nouveau. Ça fait quelque chose de nouveau à jouer. Donc, quand on se tente d'un jeu, c'est le fun d'avoir... Vous déconnez! Je me suis pété la gueule juste à la fin! Oh my god, c'est incroyable! À 99% vous rend... Oh wow! Oh fuck! Et une pub! Game of War! Yeah! C'est fou le budget que cette putain de compagnie a pour mettre des pubs partout. Le putain de Game of War, on le voit dans tous nos jeux. Il apparaît sur le web, il apparaît sur YouTube, il apparaît partout. J'ai l'impression qu'ils ont mis 1 million de dollars de publicité, bordel de merde, à tous les mois. Ça vous imagine... Et en plus, c'est un jeu free-to-play. Donc, vous imaginez le nombre de pognons que cette compagnie fait? C'est la preuve qu'avec la gratuité, on est capable de faire beaucoup d'argent. Et ça, d'ailleurs, Google l'a compris. Wouh! Premier niveau terminé! Maintenant, on se retrouve sur le deuxième niveau. Yes! Yeah! Donc, on doit appuyer sur le bouton en arrivant sur l'espèce de petit carré blanc. On réappuie pour sauter. Ça fait des espèces de double jump paranormal. Yes! Les graphismes sont quand même plutôt sympas, ça pique pas l'œil et ça nous permet de bien nous placer. J'ai déjà vu par contre, mais regardez, ça fait un buzz sur le web, donc l'idée est bonne, il y a beaucoup de niveaux. On peut devenir rapidement addictif parce qu'on veut évidemment avancer. Et, fait chier. Ah merde! Allez, on va essayer au moins de finir ce putain de niveau. Allez, c'est parti. Je suis une putain de bête. Je vais tous me les faire. Oh my god. Ok, faut pas parler trop vite. Je suis désolé. Allez. Oh my god. Putain de merde. Il s'est pété la gueule sur le bord. T'aurais pu t'accrocher, merde. Voilà. Ça va bien. Ah. Wouh. Oh, oui. Oh, merde. 55%. Fait chier. Ah, oh, bordel! Allez, merde! J'aimerais finir ce putain de niveau. Ah, oh, va me rendre fou! Une chance que le jeu n'est pas généré aléatoirement. Merde! On finit par s'habituer
On finit par s'habituer au niveau. Et... ah, oh, fuck! Sauf dans mon cas, moi, on dirait que ça fonctionne pas. Allez, saute, fils de pute. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Ça prend une dextérité du doigté! Ah, merde! On va essayer en chantant, ça fonctionne. Allez, je cours et je saute et je saute. Mon petit personnage parcourt le monde. Non, ça fonctionne pas du tout. J'aimerais que ça fonctionne, putain de merde! Ça, en fait, c'était moi qui lançais mon téléphone au ralenti. Ouais, oui. Et en plus, vous savez quoi? Ça bug, ça chie, j'ai des espèces de problèmes de son, ça gèle, et c'est pas comme si j'étais... Putain de merde! C'est pas comme si... Fuck! C'est pas comme si j'étais à 50 mètres de ma putain de mon Wi-Fi, juste l'autre côté du mur, merde! Ah, ça, c'est n'importe quoi. Je pourrais comprendre si ma connexion Wi-Fi serait à chier ou que ça irait pas bien. Je pourrais dire, bon, d'accord, il y a toutes les raisons de mal fonctionner. Mais merde, t'es juste l'autre côté du mur. Il y a rien de mieux que du filaire. Oh, 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 oh! Oh oui, oh oui. Oh, oh, oh! Ah! 82, j'en ai marre, ok. Ça y est, fuck off. J'en ai plein de cul. Voilà. C'est terminé. C'est terminé, je vais péter un plomb. De toute façon, vous avez compris le principe, hein? Je veux pas tout vous spoiler le jeu. D'accord? Ah. Donc, si vous voulez les tester, ces deux petits jeux, les liens sont dans la description. Si j'ai trouvé une version pour Android, le lien y sera aussi. Sinon, tout est là. Abonnez-vous. Suivez-moi sur Facebook, Twitter. Allez visiter mon site web au www.steelers.com. Il y a plein de trucs à aller voir. Tous les liens sont dans la description. Allez jeter un coup d'œil. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et si t'as aimé cette vidéo, balance un like! Allez, sur ce, je vous aime. Bye bye!